vote est un droit sacré car il constitue le canal principal par lequel s'exprime la volonté du peuple. Le dimanche 28 avril dernier, nous l'avons tous vu. Les Béninoises et les Béninois se sont levés comme un seul homme. Mais force est de constater qu'avant même la proclamation des résultats, des appels à la révolte, à l'instrumentalisation des citoyens ont été observés. N'oublions pas qu'il y a des champions de la division à qui profite cet état de choses. Il est de l'intérêt du peuple béninois à faire toujours preuve de maturité, afin de ne se laisser aller à la diversion politique qui ne profite qu'à ses instigateurs qui s'érigent en maîtres dédiés donneurs de leçons au continent africain. Nous en appelons à l'opinion internationale à faire preuve de retenue, afin de ne pas faire sombrer l'espoir de toute une génération. Face à cette situation qui n'honore pas l'Afrique et le Bénin en particulier, la mission internationale d'observation électorale des ONG et associations africaines, MIOE-O2A, recommande expressement aux Béninois de s'unir autour des valeurs qui prônent l'intérêt supérieur de la nation, gage du développement durable.